Bon, si vous êtes sur la vidéo qui est sur FlappyXTV, bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo Custom Map Zombie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite map à thème, une map spéciale Mario. Et c'est une Tower Mario, vous allez voir, la map est super stylée. Et le but sera de réussir à la terminer et de payer le Bayable Ending. Si vous kiffez toujours autant les épisodes Custom Map Zombie, pensez à liker la vidéo, abonnez-vous à cette chaîne FlappyXTV pour ne pas louper une seule vidéo zombie. Il y a 3 à 4 nouvelles vidéos par semaine, donc pensez à activer la cloche des notifications. Et nous, on est parti sur cette map Custom Super Mario Tower sur le Custom Zombie de Black Ops 3. Si tu cherches du matériel gaming au meilleur rapport qualité-prix, fonce chez Stylus Gamer. Tu as tout ce qu'il faut pour ta console ou même en périphérique PC. Personnellement, j'utilise les claviers souris X3Fi disponibles sur le site Stylus Gamer. Que ce soit pour mon PC de jeu ou mon PC de stream. Gros coup de cœur pour la souris ultra légère et en plus sans fil, c'est ma souris de tous les jours. Du coup, je suis en double setup souris clavier X3Fi. Bref, vous avez le lien de Stylus Gamer en description et vous avez une réduction avec mon code FLAPIX5 appliqué dans votre panier histoire de payer moins cher. Bref, c'est le meilleur site niveau rapport qualité-prix pour vos périphériques et accessoires gaming. Mais ouais, du coup, Mario 64, pour moi, un des préférés avec Galaxy et Sunshine. Je pense que c'est mes trois Mario. Je crois que c'est Galaxy 2 que j'avais moins kiffé. Ça, il y a deux Galaxy, je crois. Ouais, je prends... Ah non, mais ce serait fou. Ça, j'avais pris la Mario Collection, là, qui était sortie avec les trois Mario 3D sur Switch, mais j'étais un peu... Ouais, bon... Niveau, tu vois, caméra, etc., tu sens, ouais, c'est un peu vieilli, quoi. Du coup, moi, j'étais en mode, bon, tant pis, c'est pas grave. Mais bon. Mais, oui, il y en a deux, ouais, c'est bien ça. C'est bien ça, je crois que j'avais moins kiffé le 2 que le 1 de Mario Galaxy de souvenir. Ou l'inverse, je sais plus, je sais qu'il y en a un que j'avais même pas fini. J'avais même pas terminé. Et bon, voilà, tout ça pour dire que, par pitié, sortez-nous des remasters des Mario 3D de l'époque. C'est tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aimerait. Ok, on a des pièces de shield à récupérer. M14. Bon, la M14 pour commencer. Je sais plus si c'est des soul box ça ou pas, je crois. Ouais, c'est carrément des soul box. Du coup, bah, let's go faire les coffres là, parce que je crois que j'en aurais besoin pour le Bayable Ending, du coup. Du coup. Hop. Mais bref. De toute façon, les jeux Mario 3D, c'est les meilleurs jeux Mario qui existent à chaque fois. Voilà, faut le dire, c'est une dinguerie tout le temps. Ouais, c'est ça. Eh, casse-toi, toi. Exactement, Mason, c'est pour ça, ouais, depuis le temps, ça faisait partie des premières vraies 3D poussées comme ça. Sur Switch, si, Mario, j'ai jamais fait, c'est Mario Odyssey, je crois, c'est ça. J'étais en train de réfléchir, en fait, au Mario 3D, parce que du coup, sur Sunshine, c'était sur quelle console, déjà, Sunshine? Oh, je sais plus. Il y a eu Sunshine, sur Wii, bah, c'est les Galaxies. Sur Switch, du coup, c'est Odyssey. Dis-moi qu'une nouvelle génération de consoles pour un nouveau Mario 3D. Gamecube, merci. Merci. Ah, le Mario 3D, mais vraiment, qu'est-ce qu'ils sont trop bien, bordel. Qu'est-ce qu'ils sont, mais... Des pépites. Gavzi, faut que tu relances le stream. Merci beaucoup, Alonso, j'avais pas vu. Attends, je t'ai remercié, Alonso, ou pas? Je sais plus. Si jamais j'ai oublié de te remercier, merci pour tes 20 mois de sub. Et si jamais je t'avais déjà remercié, eh bah, t'es bien, t'as eu des remerciements. Voilà. C'est le Fanta, comment est-ce qu'il va, lui? Le méga Fanta. Vraiment cool, faudrait que je le fasse du coup. Je l'ai jamais fait. C'est vraiment Mario 3D que j'ai jamais lancé. J'ai vu Birdie il y a pas si longtemps, il le faisait en stream. Mais du coup, si vous me dites qu'il est super cool. Bon, ils ont de la vie, attends par contre. Oh purée de pommes de terre. Ok. Là, j'ai vu que Birdie le faisait il y a pas si longtemps, il avait l'air vraiment sympa. Je préfère assurer au cas où, le temps qu'on chope Masto, etc. D'ailleurs, je sais même pas s'il y a du courant à allumer. Ou si le courant est mis de base. Ok. Et je aussi, je sais pas ce que ça fait de shooter tous les cerveaux. J'ai vu qu'il y avait plein de cerveaux. Attends, il n'y a pas marathon d'un côté? Je crois là-bas, il y avait marathon. J'irai bien voir, ou alors j'ouvre et j'essaie de voir plus loin s'il n'y a pas des trucs plus intéressants, genre des armes et tout. Hop. Genre de ce côté-là. Il y a double tap. Est-ce qu'il y a besoin de courant ou... Ok. Il y a du courant sur la map et je sais pas du tout où il est et ça m'inquiète. Bon, je suis pas rassuré du coup. Hein. Ici, on a quoi au mur? Ah non, c'est B23R. J'ai cru que c'était un deagle au loin. Oh, j'allais me dire, attends. Attends, mais let's go.
On va essayer d'aller voir là-bas s'il n'y a pas des armes plus sympas. Parce qu'il y a la M14, je pense qu'il va pas tarder à... Ah, voilà quoi. Oh. Oui, bon. Pour l'instant, pas le choix, on va garder la M14. Vu comment que ça spawnait un peu partout. Oh, attends. Ah, je pensais que c'est une porte ouverte, je peux pas l'ouvrir pour l'instant. Ok. Ok. Bon. Je kiffe pas trop ce qui est en train de se passer là. Je vais essayer d'avancer. Non, je suis bloqué. Oh, attends. Normalement, j'ai assez pour faire un coffre d'âme, let's go. T'as, elle va être dure la map, hein. Elle va être giga dure. Mais quel plaisir. N'avait pas de coffre d'âme, je me suis dit au cas où. Je serais bien un zombie, j'aimerais bien trouver d'autres armes au mur, parce que pour l'instant, ça commence vraiment à être... bah, compliqué. J'ai pas le courant, j'ai... La meilleure arme au mur que j'ai pour l'instant, c'est une M14. C'est terrible. Là, j'ai pas vu d'arme au mur dans cette salle, du coup, j'ai un peu ouvert pour rien. Attends, est-ce que je peux... Ok, j'ai pu faire un truc qui était je ne sais pas quoi. Oh, crotte de bique. Là, ok, on a juste passe-passe et du coup... Non, je peux pas ouvrir la porte. Donc on va pouvoir passer de l'autre côté pour y aller, je pense. Du coup, peut-être en fait par là. En fait, peut-être juste par ici, simplement. Oh, attends, on a une arme qui mitraille au moins. Je voulais voir, non, là, y a rien. Ok. Ok, c'est juste pour... yes. Ah. Ouais, bah, tu sais pas, on va faire le coffre d'âme en dessous. Ah, c'est juste... Mais c'est terrible. Attends, mais comment je vais de l'autre côté, là-bas? Ça commence, je suis perdu, je sais pas où aller, au secours. Je dois pouvoir monter. Alors, avec le truc Pulse, là? Peut-être. Merci beaucoup, Max Gun, pour le 10e mois de sub. Ça fait très plaisir. Je me suis dit, je sais pas si je suis au-dessus, peut-être que... Ok, les zombies commencent à être vénères. Ouais, elle a zéro dégâts, par contre, c'est... J'ai l'impression qu'ils ont plus de vie que normalement. Oh, attends, je crois... Ok, je crois que les gars, on a trouvé quelque chose. On peut profiter du sang de zombies, à la limite. Mais je crois qu'on... Peut-être trouver la solution. Au moins, je sais où est Masto, mais comment je vais au courant? Comment j'y vais? Ce serait bien que je fasse un... Oh, il y a du napalm, carrément. Ok. Comme ça, il fait beaucoup de points, mais du coup, il faudra que je refasse un rampant avec un des zombies qui est là. Dommage. Ok, on a un rampant, les gars, c'est cool. On va le laisser et on va essayer de comprendre. Bah, par où je dois passer? Oh, pas du tout, pas du tout, Kyo. On me demande souvent, mais je n'ai jamais été dans cette région. Ah, attends! Est-ce que c'était en finissant, du coup, les deux petits coffres d'âme? Ça me donnait accès à... Ah, peut-être. Oh, le prix des portes. Oh, la boîte, oh, trop stylée. Ok, à mon avis, ça doit servir plus tard. Je ferai bien une boîte et on va chercher Masto après. Ok, qui d'arme? Ah, ça c'est... On a quand même la bootlegger, mais ouais, on a quand même majoritairement des armes de BO2. Et bah, le problème, c'est qu'en zombie, les armes de BO2 sont nul à chier, quoi. Du coup, c'est un peu relou. Ah tiens, ici, j'ai pas fait. Alors, on va essayer des points pour double tap aussi. Puisque vu que les armes de BO2 manquent cruellement de dégâts en zombie, la double tap va être super important. Grâce au buzzer, tu penses à Ice-Tick, c'est grâce au buzzer? Je sais pas, parce que t'as vu, il me reste un autre buzzer encore activé. Ou alors, chaque buzzer ouvre une zone différente? Ça me paraît très bizarre, je t'avoue. Ça me paraîtrait un peu étonnant. PHD, je pense qu'on va essayer de le prendre aussi. J'espère qu'il n'y a pas de limite à tout, parce que je me... Vu les dégâts de chute que je vais pouvoir me choper quand on sera en haut, je pense que PHD serait bien utile. Pour être honnête. Pour être tout à fait honnête, ici on a la MP5, on a une pièce de shield, donc on pourra se craft le shield et c'est très cool. Mais ouais, en priorité, bah on va prendre, on repasse pas double tap encore. Si c'est pas limité à 4 atouts, on prend PHD, et si c'est pas limité à 5 atouts, on prend marathon. Et le reste, on s'en fout un peu en soi.
Un petit bug de texture comme ça. C'est, ouais, il me semble que c'est dans ces réglages-là. Graphics Advanced, et je crois. Aïe! Non, c'est pas comme ça, je sais plus comment les régler. Je sais qu'il y a des mobs custom où tu dois désactiver ce truc-là, des mobs custom où tu dois l'activer d'une certaine manière et tout pour pas avoir les problèmes voilà, visuels comme ça, comme on voit dans. Dans l'arbre. C'est. Black Ops 3. Monter sur les blocs à droite le pitch. Où est-ce que. Pitch, quoi? Tu vois à droite de la pancarte de pitch, tu peux pas monter sur les blocs. La pancarte de pitch? Tu parles de ces blocs là? Non, je peux pas monter sur ces blocs là. Tu parles de ceux là. C'est pas sur toutes les plateformes sur lesquelles tu peux monter. Ah de ouf, Mason, dire que ouais, le client BO3 il aurait pu corriger ça, tu sais. Non mais c'est cool, on va continuer déjà à jouer à BO3, à BO2, etc. Tout en pouvant se faire hacker nos données personnelles, c'est bien. Merci à Activision. Cette entreprise quand même, hein. Cette entreprise de branquignol. C'est terrible. Max Gun? Non, rien de spécial. Pourquoi donc? Pourquoi donc? Oh! Ah oui, la musique du Gun Mode, elle est incroyable. Elle est tellement nulle, cette arme. Double tap, j'avais vu où? J'avais vu où? Là-bas. Non, c'est marathon. Non, non, c'est... L'autre coin, oui. Oh! Je voulais quand même en tuer un des deux, vu que ça rapporte 1000 points. Ah mais je suis con, j'ai stressé du napalm alors que j'étais en code mode. Il est un peu con votre streamer. Hein. Mmh. Bah 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 bam. Speedcola, il était dans quel recoin déjà? Vers le coin. Ah mais attends, mais il y a des napalms tout le temps. Après ça m'arrange, ça fait des points. Oh bah. Allez. Eh bah 6000 points, ça fait plaisir. Je ferais bien une petite boîte hein, vite fait. Et je vais ouvrir là pour le shield et ensuite on laisse prendre pH 3000. Hein, combien? Wouah. Ça, j'ai pas l'impression de me faire chier. En plus, il y a encore un autre frère, c'est bon. J'entends un autre napalm encore. Là, il est juste en dessous. Regardez-le, il arrive. Allez, vas-y, on va se refaire une boîte, hein. Tant pis pour PHD, on le prendra après. Je déteste ce kit d'armes de BO2. Oh là là. Ils sont moins 8000, les napalms. Ok. Merde. Ça arrive, du coup, le feu, il est en train de me... Non, mais encore. Ok. Ah, le T-Gun! Bah, ça me fait pas beaucoup de points, mais au moins... Au moins, voilà. Au moins, c'est une arme. Et mon problème, c'est de faire des points. Ah, il y a aussi du IW! Ah, le fumier! Direction, voir... C'est là-bas, PHD, c'est là-bas. Eh hey, bonsoir le virus, comment est-ce qu'il va lui? Comment qu'il va le grand virus? Ok bon, c'est à manger des chiens, c'est un peu tranquille. Allez, dis-moi que... Il n'y a pas l'air d'avoir de limite à tout. Oh, type doit le faire du bien. Stamina up.
Vu qu'on a 2000 points et en prêt en termes d'atouts, ça va le faire. Faut que je pense à regarder s'il n'y a pas des cerveaux qui traînent. Ok. Je pense qu'en termes d'armes, pour l'instant, on est bien. On est pas mal du tout, à vrai dire. Je crois qu'il y a un chien qui s'est perdu, par contre. Hein. Attends, hop. Ok, la Vendor Fist juste là. Et là, la porte, elle a combien? 3500, mais c'est de l'abus. C'était sûr. J'ai voulu tester, je me suis dit on sait jamais. Je me suis dit on sait jamais. Ah, j'ai cru qu'il était bien, je pouvais pas le choper celui-là. Pow. Ça, j'aurais pu gratter les 100 points sous les atouts, j'y ai même pas pensé. Ok, bon, on continue à monter, je vois pas d'autres... Oh, tout ce qui reste à faire de la map. Ah si, un coffre d'âme juste là. Ok, qui? Je vais carrément l'acheter. Bon, la musique de Kiki, elle est incroyable. Oh. Ok. Ah, si jamais je suis dans la sauce, ça peut être bien, ça. Bon, c'est la fin de manche, on va les tuer ici. Oh, la nuque! Bon, à 400 points, je m'en fous un peu, franchement. J'ai pas envie de redescendre tout en bas. On a quoi, tiens, arme au mur, ici? Eh ben, heureusement qu'on ait de la chance sur la boîte, hein. Heureusement. Attends. C'est la Lewis? Remarque, attends. Non, non, c'est une carabine. À niveau arme, c'est pas fameux. Avec Tombstone. Calme-toi, wesh. Ils sont vraiment sous stéroïdes sur la map, hein. J'entends Napalm quelque part. Allez, des points. Ça n'a pas volé pour une fois. Voilà. Non, c'est la trencher, ok. Ouais, bon. C'est quand... Ah, attends, on est bientôt au pack-a-punch. Peut-être que... Là, bah forcément. Forcément, il va falloir que je fasse le coffre d'âme. Lolman, aucun des deux. Dans tous les cas, je le trouve vraiment, vraiment juste nul. Je mets, je pense, même dans le top 3 des pires. Franchement. J'espère que j'ai pas loupé de coffre d'âme, comme ça je peux l'améliorer, parce que niveau balle, ça commence à être la crise. Let's go! Merde, je voulais pas prendre le time slow. C'est pas grave. Oh. Qu'est-ce que ce bouton? Open door. Et les portes, falloir se calmer un peu. Hein. Ça commence vraiment un peu trop picoté. Oh, lance-flamme. Cool. Est-ce que sur Napalm? C'est incroyable. Ok. Je vois pas d'autres napalm au loin pour l'instant. Bah maintenant, il va falloir qu'on se fasse vraiment full point. Il va pas y avoir le choix, s'il va falloir qu'on atteigne... Parce qu'il y a un Bay Balancing ou plus à faire. Ah. Ah, je ne peux pas accéder à la porte là. Il doit y avoir un délire de... Une manière spéciale de l'ouvrir, je pense. D'avoir une manière spécifique, mais comment, par contre? Il y a un autre bouton comme ça, peut-être, dans la map cachée. Du coup, je me suis dit que ça allait être les... avec des grenades, mais pas du tout, en fait. Oh là là. Ah, le fumier! Ah, le fumier!
Ah, c'est bien pensé en soi. Ah, je vais pas acheter le lance-flamme. Oh. Quoi, plein de petits Donkey Kong. Ouais, c'est sûr que c'était pour aller là. Et ça m'arrange, étant donné que... On a le Lewis qui est pas mal. Oh, les dégâts de fou furieux. Pardon. Ah, elles sont texturées. Je vais aller me prendre 3 armes pour prendre le lance-flamme. 3 armes, je l'ai vu. J'ai vu 3 armes tout à l'heure, mais il était où? Crotte? Attends, je l'ai vu, 3 armes? Là. Merci, Exir, d'exister. Comme ça, on va se reprendre le lance-flamme au cas où. Et ça me fera une petite arme en plus. Après, je sais très bien tous les atouts de la map en vrai. Pour le fun. Sauf Wuzu, puisque Wuzu, c'est plus un truc à me mettre dans la sauce qu'autre chose. De toute façon, il manque cerise et je crois par Wuzu, j'avais tout. Ouais, Masto, je l'ai. Petit con, va. Stamina, je l'ai. Ouais, non, pour l'instant, les atouts, c'est bon. Ah, j'ai des Ikiru, ouais, mais des Ikiru Spy, je suis sur PC, je m'en fous. Il y avait Widows que je voulais acheter au-dessus aussi. J'aimerais bien qu'on me pète mon shield, vu qu'il a presque plus de vie, pour que je remonte. Widows, il était où? Ouais, il était vraiment tout en haut. Kiki, non, non, Ouzou, j'ai dit, c'est mort. C'est vraiment un atout à se tirer une balle dans le pied. Dommage, son jingle est bien. Ouzou. C'est Litska. Comment est-ce qu'il va, lui? Le lance-flamme. Voilà. Ça. Voilà. Ouais, tiens, là, il y a encore une manière de l'ouvrir. Est-ce que... J'ai bien fait. Très bien fait de le reprendre. Merci beaucoup, Zozo, pour le follow. Viens et toi. Ok. Eh ben, on envoie le bout. Et c'est... Ah non, c'est que 30... Oh, bah, ça va. Oh, bah, c'est que 30 000 points. Oh, bah, c'est tranquille. Merci beaucoup, Pierrot, pour les 20 de WhatsApp. Ça fait plaisir. Merci pour le soutien. Allez, pitié de la chance. Moins 1500. Allez, connard. Non, j'ai le seum, j'ai pas le temps de les taper du coup. Pendant le x2. Dommage. Maintenant, il n'y a plus qu'à réussir à assurer jusqu'à la fin, les gars. Et on pourra passer à la prochaine map. Ah, c'est pas le dernier. Toi, t'es le dernier, toi. Ben oui. Je vais recharger parce que je pense pas qu'à l'époque il y avait une munition max de BO4. M'étonnerait bien, quoi. Oh. Vous le voyez arriver, le fumier. Gardez-le. Ah, monsieur, vous êtes un peu costaud. Ok. Hop. C'est toi, pas idée. Comment ça va? Je pensais que je jouais avec la
Salut Malewis. Ah merci. Oh le tir infini. Allez, let's go, 30 000 points. Mais je trouve qu'il y en a de moins en moins des maps à thème Mario, etc. C'est un peu dommage. Il y a une période où on en a eu beaucoup et c'est vraiment trop bien. Sans de zombies, je m'en fous complet d'un sans zombies, frère. Voilà. Ok, 23 000 purée de pommes de terre, j'avais pas vu. Lolman, non, là ça va, là ça va. On est un peu plus tranquille. Ensuite, je ferais bien la map sur la plage de nuit avec tous les atouts dans tous les sens. Non, time slow, ça trop ralentir les zombies, flemme. J'ai peur, il se rapproche un peu trop. Ok, 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 ok. Et bah, let's go!